Mirna, ahí arriba, ahora vamos a subir, mira. La bola. Ah, bueno, vamos a saludar, no sé quién es. Eh ouais, c'est les trois favoris hein, devant. Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... la Britannique est en train de craquer. Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va passer. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Non. Patrick. Je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Mais regarde. Mais c'est pas possible. Elles sont extra. Merci pour Muriel. Merci mais pour regarde, Muriel. Mais regarde, c'est énorme. Je vous ai dit qu'elles se battraient pour Muriel. Oh là là, Floria. Extraordinaire, extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire, extraordinaire. Ah ben il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. Ah ouais, là c'est moi, c'est extraordinaire. Je sais pas, mais non, c'est énorme. C'est énorme. Je pense qu'elle était très déçue de sa course individuelle et que ça l'a vraiment ultra motivée pour la. Jamel a fait un travail extraordinaire, c'est de bien les laisser se reposer, récupérer. Et tu vois que là, c'est peut-être ce qui a fait la différence. Ouais, Marc Rakit va devoir partager l'appellation avec Floria maintenant. Ah ouais. On dirait une dernière ligne droite à la Floria Gay. C'est énorme. Non, non, mais là, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Là, il faut qu'ils se calment. Non, Patrick, non, continue. Il faut continuer. Le feu d'artifice aujourd'hui. Oh là 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 là. Deux courses, deux médailles d'or. Et regardez-moi cette attitude. Elle a de la tête, elle a de la tronche, comme on dit. C'est incroyable, incroyable. Je vais avoir le chrono très vite. Le chrono lancé, il est énorme. Les voilà, les mousquetaires du 4x4 qui ont voulu offrir une sortie de reine à celle qui le mérite. Parce que vous savez, je pense souvent à Muriel et je me dis, elle n'a pas eu de chance Muriel, parce qu'elle a souvent eu ses médailles sur tapis vert, parce que les jeunes femmes qui l'avaient battue étaient convaincues de dopage et elle n'a jamais connu vraiment la grande joie d'être récompensée sur un podium, sur un vrai podium. Oui, bien sûr, c'est magnifique pour elle, magnifique pour la France 20 ans après, on le disait. 20 ans après le record de France à Helsinki en 94, à ces mêmes championnats d'Europe où Marie-Josée Pérec, Evelyne Hélien, Francine Landre et Viviane Dorsil avaient brillé de la même façon. Oh, je me souviens, il y avait eu un orage phénoménal à la fin de cette journée-là. Et là, c'est du plein beau sur le Letzigrund. Et en l'honneur de ces relayeuses et en l'honneur également de la fin de carrière de Muriel, quelle est belle la Marseillaise à venir. Ouais, c'est la victoire de l'amitié aussi. Ouais, la gentillesse aussi.
Quelle émotion pour Muriel. Elle a aux yeux. Elle a dû, j'imagine, revoir toute sa carrière défiler. 51 de moyenne pour ce relais, alors qu'aucune d'elles n'est descendue sous les 50 secondes. Ça explique tout. Sous les 51 cette année, la meilleure doit être à 51-30 ou 51-50. Je crois que c'est Floria d'ailleurs. Oui, Floria, Marie sont toutes les deux sous les 52, mais les autres sont au-delà de 52, donc elles y ont.